Salut, c'est Mathias. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis revenu de Martinique. Très beau séjour, comme vous avez pu suivre sur nos actualités. Donc aujourd'hui, on va parler d'un principe, la garde, et bon, on va passer un peu au niveau boxe, un travail de hanche que j'ai pu apprendre durant mes entraînements, un travail de coup de poing au niveau boxe, qui est également pour un travail de hanche, et un travail de placement de jambes. Je veux vous associer ces deux mouvements de boxe et de karaté pour voir, pour vous voyez l'utilité de ce que ça fait en niveau karaté. Donc ici, travail de boxe, ici, donc indirect, soit crochet ou direct, ce sera un travail de hanche. Donc, le pied moteur, le pied d'appui va pivoter. Ici, j'exagère beaucoup pour que vous voyez. Donc ici, ça peut être indirect, boum. Et le deuxième, boum. Le pied arrière est ici. Le pied avant, boum, soit direct, boum, 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 une frappe. Donc le pied doit être ici, exactement comme un gâteau. Et comme vous pouvez le voir, le travail de hanche, boum, 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 gardez ma ceinture, boum, 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 boum. Toujours bien pivoter, boum, 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 relâchez, et boum, boum. Boum, boum. Os.